Shalom, je m'appelle David, j'ai 25 ans, j'ai eu l'occasion à 18 ans de faire mes études en France et de travailler en France, mais j'ai pas eu cette occasion et cette opportunité de venir plus jeune en Israël. À 24 ans, c'était le grand déclic, c'était le déclic de venir en Israël. J'ai eu la chance d'avoir une opportunité de travail toute l'année dernière, c'était une très bonne expérience, mais il me manquait quelque chose d'essentiel dans ma vie de juif, dans mon parcours, qui était la yeshiva. Au Machon Meir, je me suis retrouvé, j'ai retrouvé tout ce que je cherchais, j'arrivais à mettre des mots sur ce que je cherchais au niveau de mon judaïsme, de mon appartenance à l'identité juive, à la terre d'Israël et de cet attachement à ça. L'avantage du Machon Meir, c'est qu'on n'est pas livré à nous-mêmes, les rabbanim nous accompagnent tout en nous laissant notre liberté d'agir comme on veut et en progressant évidemment. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dress code, il faut s'habiller comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Ils nous montrent l'exemple, c'est à nous d'évoluer chacun à son niveau, qu'on ait 18 ans, 25 ans, 30 ans. Et c'est aussi cette diversité de pouvoir rencontrer non seulement toutes les nationalités, des Espagnols, des Anglais, des Israéliens, mais aussi la diversité au niveau de l'âge aussi, puisqu'on se retrouve avec des gens plus jeunes que nous, plus âgés que nous, avec des parcours différents, au niveau religion comme au niveau maturité. Et ça fait aussi du bien de pouvoir aussi être responsable de ceux qui sont plus jeunes et d'apprendre de ceux qui sont plus âgés. Et je trouve que c'est essentiel dans un parcours de tout juif. Je pensais vraiment pas de faire de la yeshiva dans ma vie, mais que dans le parcours de tout juif, de se poser les questions essentielles sur leur vie et de pouvoir passer par une yeshiva. En plus, le Machon Meir, c'est une yeshiva qui se trouve au cœur de Jérusalem, avec tous les avantages que ça comporte de pouvoir sentir la vie israélienne de manière complète à Jérusalem et de vivre vraiment nos textes à l'endroit même. Ouais.